national de Bouedma est situé à des distances respectives d'environ 100 km au sud de Sidi Bouzid et 85 km à l'est de Gafsa. Le parc national de Bouedma offre une grande attraction paysagère par son équilibre harmonieux et très prisé entre l'aspect montagneux du Djebel Bouedma et la savane arborée en piémont, ouvrant vers de vastes plaines limitées par un paysage associant l'étendue des Sepras à un horizon lointain de montagnes de l'Atlas saharien. La superficie du parc national de Bouedma est de 16 488 hectares, répartis en trois zones, protection intégrale, tampon et de développement. Le parc fait partie de la chaîne montagneuse Orbata-Bouedma qui s'étend depuis l'est de Gafsa jusqu'à l'ouest de Mezouna et constitue les derniers contreforts de l'Atlas saharien. Le point culminant du Djebel Bouedma est situé à 790 mètres, alors que l'altitude moyenne des plaines couvertes de gommiers qui sont situées au sud du Djebel ne dépasse pas 120 mètres. Malgré les apparences, le parc national de Bouedma recèle une richesse faunistique insoupçonnée. L'état de quiétude que propose cet espace aux divers animaux qui vivent dans les milieux arides justifie cette diversité. Le parc national de Bouedma est célèbre du fait de la réintroduction réussie de mammifères éteints pendant le dernier siècle. Il s'agit surtout des antilopes Adax et Oryx qui ont respectivement disparu de la Tunisie entre 1900 et 1930, puis réintroduits en 1986. L'opération a connu un net succès et les troupeaux sont reconstitués. La gazelle d'Orcas est représentée dans le parc par un troupeau important, quelques dizaines d'individus qui vit et se reproduit dans des conditions favorables. À Ain Sherchara, la montagne, les visiteurs de cet espace protégé peuvent voir des oiseaux, notamment le moineau blanc, le loriot d'Europe, facilement reconnaissable grâce à ses couleurs caractéristiques jaune et noir, le chardonneret élégant à joli chant très apprécié et la pintade de Numidie réintroduite dans le parc entre 1986 et 1989. Les rapaces sont également nombreux. Certains sont diurnes, notamment l'aigle royal, le faucon cresserelle, le milan noir. Ces rapaces empêchent la multiplication des rongeurs et contribuent donc au maintien des équilibres écologiques. Le parc national de Bouedma, dans le couvert, est dominé par une remarquable pseudo-savane de gommiers, abrite environ 400 espèces végétales. Au niveau des plaines, le couvert végétal du parc se compose essentiellement de gommiers Acacia radiana. C'est la plus importante spécificité floristique du parc. Les gommiers et les graminées répandus dans le parc constituent l'alimentation de bois des herbivores comme l'Adax, l'Oryx et la gazelle d'Orcas. Dans le cadre du projet de l'écotourisme et la préservation de la biodiversité dans le Sahara, qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité des terres désertiques dans trois parcs nationaux, Goumès, Bouedma et Djebel, 78 petits projets à but lucratif et de nombreuses activités communautaires ont été réalisées à Bouedma, moyennant un coût de plus d'un million de dinars pour promouvoir l'écotourisme sur les plans local et régional à travers l'adoption de nouvelles approches et la présentation d'un appui au secteur privé et aux habitants de ces zones. Mademoiselle Samira Jdaïda, couturière, une bénéficiaire du projet. كملت خذيت 6 ماكينات هذوما الماكينات الكبار الكل وتنجم تقول 70% من اللي الخدمه اللي نخدموا فيها تو بعد المشروع Loisirs, éducation, découverte, recherche scientifique, contemplation, protection de la nature, contact social et humain, culture locale et gastronomie constituent autant d'objectifs touristiques qu'on peut réaliser dans un seul endroit, celui du parc national de Bouedma.